Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et aujourd'hui je suis très content de vous présenter un classique sur Game Boy. Il s'agit de Super Mario Land qui est sorti en 1989 au Japon, 1990 en Europe. Il s'agit donc du premier Mario sur Game Boy et c'est également le premier Mario à ne pas avoir été développé par Shigeru Miyamoto. Il a été développé en réalité par Satoru Okada sous la direction, sous la production de Gunpei Yokoi, donc le créateur des Game & Watch et bien sûr de la console Game Boy. C'est bien sûr un jeu qui est édité et développé par Nintendo. Donc en fait, le fait que Miyamoto n'ait pas participé au développement de ce Mario, ça explique certaines choses, notamment qu'on ait affaire à un Mario qui se déroule dans un environnement totalement différent des Mario sur NES, de Mario Super Mario Bros. Excite le royaume champignon, on est à présent dans le pays de Sarrazaland, où on va devoir sauver une princesse, parce que ça, de toute façon, Mario sauve une princesse, c'est un petit peu le background, hein, on peut pas faire sans, et merde. Hop, invincible. Mario sauve une princesse, évidemment, donc il ne s'agit pas de Peach, mais de Daisy. Donc Daisy qui est un personnage qu'on retrouvera dans les game parties de Nintendo sur Wii, hein, comme Mario Power Tennis ou Mario Party, qui sera donc recyclé, en fait, un petit peu comme des personnages comme Birdo, pour les besoins des jeux où il y a besoin de beaucoup de personnages. Donc, le grand méchant, pardon, le grand méchant du jeu s'appelle Tatanga, ça n'est pas Bowser. Tatanga qui est un monstre venu de l'espace qui a envahi le royaume de Sarrazaland et qui a hypnotisé la population pour la servir à ses besoins. Donc, tous les boss que vous verrez, en fait, sont au départ les habitants du royaume de Sarrazaland sous l'emprise de Tatanga. Alors Tatanga, c'est un personnage qui ne fera pas date dans l'histoire des Mario, même sur Game Boy, puisque on aura en fait son apparition dans le scénario de Super Mario Land 2. C'est-à-dire qu'on explique que pendant que Mario était à Sarrazaland, on a Wario qui lui a volé son château. Mais c'est à peu près tout. On le retrouvera comme boss dans Super Mario Land 2. Dans le boss de la Space Zone lui ressemble étrangement, donc on suppose que c'est lui. Parce que c'est encore une espèce de petit lutin dans un costume spatial. Donc, ce qu'on peut voir également, c'est que la musique en tout cas, ne correspond absolument pas au thème Mario. Donc, je vous dis, dans ce jeu, tout est différent. Le gameplay reste quand même proche de la Super Mario Bros. 1. C'est-à-dire que on doit sauter on doit sauter sous les blocs pour faire sortir les pièces, on peut casser les blocs gris quand on est grand Mario. On doit sauter sur les ennemis pour les tuer. On a un champignon qui nous fait grandir. On a une fleur qui nous permet de lancer non pas une mais des boules de feu. Donc voyez la particularité de la boule, c'est une boule rebondissante, c'est pas une boule de feu. Regardez, hop, je la lance, elle rebondit. Donc ça, il faut savoir que cette boule, elle est capable d'aller chercher les pièces quand il y a des pièces qui sont dans la nature. Cette boule, elle va les récupérer. Par contre, elle a un inconvénient. Tout simplement que quand vous lancez la boule, vous ne pouvez plus en lancer une autre. Il faut attendre, en fait. Hop. Il faut attendre que la boule ait disparu ou ait touché un ennemi. Donc c'est original, hein, ça colle bien avec ce Mario, puisque ce Mario est très différent de tout ce qu'on connaît. Donc, ah merde, j'ai touché les trucs. C'est pas grave. Hop, ce Mario est très différent, et donc le fait qu'on ait mis un item qui soit différent. Alors voilà le premier boss. Donc ce que vous pouvez remarquer, ce boss s'appelle Totometsu. C'est un lion sphinx. Parce qu'on est dans un univers, le premier niveau prend place dans un univers égyptien. Et vous pouvez remarquer qu'au niveau de ses patterns, ça ressemble fortement à Bowser. Hein, c'est un boss qui saute et qui balance des boules de feu. Hop, et pour le battre, même principe, on appuie sur la petite manette et ça le tue. Normalement, ça devrait déclencher une animation qui ouvre le pont-levis, mais ça n'a pas été prévu par les développeurs. On peut aussi le tuer avec les boules.
Je vous montrerai ça pour le boss du niveau suivant. Parce que là, il n'y a pas le choix. Vous verrez pourquoi. Donc là, c'est un petit peu comme dans Super Mario Bros. On croit qu'on a libéré la princesse. Et en fait, elle se transforme en ennemi. C'était un ennemi qui était déguisé en princesse. C'est un petit peu le coup de « Your princess is in another castle » dans Super Mario Bros. 1. Où en fait, on croit libérer la princesse. Et c'est un Toad qui nous dit que, en fait, elle est ailleurs. Donc là, je vous laisse un tout petit peu écouter la musique. Cette musique-là, elle est excellente. Voilà, donc on va reprendre l'étoile. Écoutez maintenant la musique de l'étoile. Ça vous rappelle rien? Alors il s'agit de la musique du cancan d'Offenbach, qui est plus connu sous le nom de French Cancan. Qui est utilisé ici pour la musique de l'étoile. Ce que je ne vous ai pas dit à propos des items, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, puis comme d'habitude, je me suis coupé et je suis passé sur autre chose. L'item qui correspond à la vie, ici, est représenté par un cœur. Contrairement au Mario habituel. Donc, pourquoi un cœur? Alors, la raison en est très simple. Hein. Pour moi, je ne suis pas certain, mais enfin, presque. Je ne pourrais pas me tromper en avançant cette hypothèse. Faut savoir que sur... dans Mario 1 sur NES, et dans les Mario suivants d'ailleurs, la vie est représentée par un champignon vert. Le problème, c'est qu'ici, on est sur une console monochrome. Donc, comment différencier un champignon rouge d'un champignon vert? Ils ont préféré radicalement changer carrément le design de cet item pour qu'on ait un cœur en guise de vie. Et c'est quelque chose qui a été conservé par la suite dans les Mario. Dans le Mario Land 2 par exemple, et dans les Wario Land qui sont en fait la suite des Mario Land évidemment. Hop. Ah bah, on peut faire comme ça. Donc ça, je vous ai pas expliqué, vous avez compris de vous-même j'imagine. Il y a deux sorties, la première, celle du bas, la plus facile à avoir vous mène à la fin, au niveau suivant, fini le niveau. Et celle du haut vous permet d'accéder au bonus game qui vous permettra de gagner de 1 à 3 vies ou une fleur de feu. Et là on arrive à une des phases les plus originales de ce jeu, des niveaux en shoot 'em up. Il y en aura deux, il y a celui-là et le dernier niveau. Et là on est dans un sous-marin et on va faire tout le niveau comme ça. Ça, c'est super original. Je vous en avais déjà parlé pendant mon test de Batman sur Game Boy, parce que dans Batman, il y a également une phase de shoot. C'est un des traits communs entre les deux jeux. Ça, et le moteur graphique est assez proche. C'est deux jeux assez proches en termes de lancement, donc j'imagine qu'ils ont que Batman a utilisé certains éléments peut-être mis à disposition par Nintendo, hein, dans les kits de développement pour les éditeurs tiers, je sais pas. Pour faire ce Batman. Donc Mario Land et Batman partagent quand même des points communs, entre autres ces phases de shoot que je trouve moi excellentes, hein, avec une musique tout aussi excellente. J'ai failli me faire toucher là. Et vous allez voir un petit défaut du jeu au niveau du boss. C'est un défaut qui est très connu, je pense que vous savez déjà de quoi je veux parler, mais bon. On va faire comme si vous saviez pas. Encore une vie, donc symbolisée toujours sous forme de cœur, je l'ai dit. Écoutez bien, voilà. Vous entendez? Le bruit du boss?
Tous les boss font ce bruit-là quand on les touche avec, soit avec la boule rebondissante, ou les boules de feu si vous préférez, soit dans les phases de shoot si on est équipé d'un véhicule. Donc c'est particulièrement... comment on va dire ? Particulièrement déroutant, ce bruit. C'est une espèce de chèvre, en fait. Hein. C'est un croisement entre une chèvre et un canard, on sait pas trop. Donc c'est assez bizarre. Donc au niveau des graphismes, puisque j'ai parlé du moteur graphique commun avec Batman, je vais vous parler un petit peu des graphismes. Bah, ce qu'on peut voir, c'est que les sprites sont assez petits, notamment par rapport à ce qui s'est fait ensuite dans le domaine des Mario, des Mario Land. Hein, le Mario Land 2, les sprites sont beaucoup plus gros. Alors ce qui est considéré comme un défaut par certains, mais bon, globalement... Ce que j'apprécie moi dans ce jeu par rapport toujours par rapport à Batman que j'ai déjà testé, c'est que les sprites sont petits, mais ils sont clairs. On voit bien à quoi en fait fait référence le sprite, qu'est-ce que c'est censé représenter. Dans Batman, je vous avais dit, il y a quand même des ennemis qui sont très très bizarres, on ne sait pas trop ce que ça représente. Là, on voit bien que c'est une tête de l'île de Pâques avec des ailes. Là, on voit bien que c'est une tortue. Alors les tortues ici, c'est des Koopas, c'est pas des Koopas, c'est des Nocobons. Donc c'est une créature qui est propre à l'univers de Sarazaland. Bon, en réalité, c'est un Koopa, hein, ça se voit. Mais c'est un Koopa avec une carapace qui est une bombe. Donc quand vous le touchez, il lâche une bombe. Hop, alors lui, on va le tuer avant qu'il nous tue. Qui lâche, donc la carapace du Koopa est une bombe. Et il faut faire attention à ne pas se faire tuer. Vous avez vu également les Chibibo, qui sont des Goombas en réalité. Qui sont les Goombas les plus moches de toute la création. Ça, c'est clair. Parce qu'ils sont vraiment minuscules et très moches. Mais c'est pas des Goombas, hein, c'est des Chibibo. C'est les cousins des Goombas. Les cousins sarazalandais des Goombas. On dira ça comme ça. Donc on retrouve les canons, hein, les... Pour eux, pour le coup, ils ont pas changé, putain. Ils sont partis, eux. Donc au niveau de la difficulté, c'est un jeu, et là je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, c'est un jeu qui est facile. Je suis désolé, si moi j'y arrive, c'est que c'est un jeu facile. Super Mario Land 2 est très facile, mais celui-là, il est facile également. Alors, avec une maniabilité qui est quand même assez différente de Mario Land sur NES, de Super Mario Bros. De Mario Land sur NES, n'importe quoi. Super Mario Bros. Sur NES, puisque vous avez des petits problèmes au niveau de... Bah, ici, on va peut-être le voir, parce que je vais peut-être me vautrer. Non, ça va. On a des petits problèmes de collision au niveau des bouts des plateformes. Des fois, on a tendance à tomber alors qu'on avait sauté. Et on a aussi des petits problèmes au niveau de la course. Parfois, on est appuyé sur le bouton de course, mais comme on vient de finir un saut, si on a un petit peu trop ralenti, Mario refuse de courir. Donc, je sais pas si c'est très clair. Hein. Peut-être que j'arriverai à vous le montrer. Mais c'est un peu gênant. Ça alourdit, ça rend la maniabilité un petit peu plus raide que sur un Mario Bros. Sur NES. Mais une fois qu'on a pris le coup, ce jeu est relativement facile. Vous voyez, là, j'ai fait une connerie. J'aurais dû attendre la grosse migale avant de sauter sur celle-ci. Mais c'est pas grave. Alors, vous avez remarqué que qu'on soit Mario Fleur ou Mario... Non, mais rien, là. Qu'on soit Mario Fleur ou Mario... juste Mario Grand, si on se fait toucher, on redevient Mario Petit exactement... comme dans tous les Mario version japonaise. Donc là, je suis sur une version européenne. Hein. Je sais pas si je l'ai dit. Je crois que la version japonaise est un petit peu plus dure. Il y a un petit peu plus d'ennemis. Donc, en gros, si j'utilise pas la boule, ça me sert à rien d'avoir la boule. Parce qu'il suffit que je sois grand. Ça me laisse un petit peu de répit. Donc là, hop. Donc ce niveau-là, ce que je lui reproche, c'est le niveau de Easton, un niveau basé sur le design de l'île de Pâques. D'ailleurs, le nom vient de là. Je me suis fait toucher. Le nom vient de là. Easton, ça vient de Easter. Easter, c'est Pâques en anglais.
Et ce monde-là, en fait, ce que je lui reproche, c'est de réutiliser les musiques du niveau 1. Il n'y a pas de musique originale pour ce niveau. Pourtant, c'est un niveau avec un design assez original, puisqu'on a les bonhommes de l'île de Pâques. On a également le... Merde. On a le boss, qui est également une tête de l'île de Pâques, vous allez le voir, qui est assez original. Et pourtant, ils n'ont pas cru bon de mettre des musiques originales pour ce niveau. Il n'y a que les niveaux 1, 2 et 4 qui ont leur propre musique. Et là, c'est la musique du niveau 1-3 qui est encore une fois réutilisée. Je trouve ça dommage. Surtout que, vu la qualité des autres musiques, on aurait pu avoir quelque chose d'excellent. Alors, je crois qu'il y a un truc dans le tuyau. Ouais, il y a une plante dans le tuyau. Je crois que si on arrive à y aller, il y a quelque chose dedans. Mais là, je pourrais pas y aller. Il n'y a pas une... Ah ouais, il y a une ville. Ah! Je fais n'importe quoi, ça y est, je commence à mal jouer. Il n'y a pas énormément de secrets dans ce jeu. En tout cas, ceux qu'il y a, ils sont pas très, très bien cachés. Souvent, c'est juste un tuyau, hein. Il n'y a pas de haricots magiques, voilà. Il n'y a pas de haricots magiques, comme dans Mario Bros. Avec des zones cachées, il n'y a pas de warp non plus. Putain, mais quel nul, c'est pas vrai. Je vous avais dit, il y a des petits problèmes de collision avec les plateformes. Alors, je me tape la honte parce que je vous dis que ce jeu est facile, et là, je commence à faire n'importe quoi. Alors là, c'est une phase un peu chiante. Voilà. Hop. Attention. Hop. Alors là, faut que j'évite le caillou parce qu'il y a un champignon. Voilà, qui va m'être utile pour le boss. Alors le boss, très original, vous voyez, il faut sauter sur ses pierres, essayer d'atteindre la plateforme au-dessus de lui et appuyer sur le bouton. Je sais pas si on peut l'avoir avec les boules, celui-là. Mais comme j'ai pas les boules, de toute façon, c'est pas un problème. Donc je voudrais parler un petit peu de ce jeu par rapport au fait qu'il soit considéré comme un Mario bizarre, un Mario qui sort de la série. C'est vrai, c'est un Mario qui a rien à voir avec l'univers de Mario. Moi, je trouve que c'est un Mario original. Je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez Super Mario Bros. Sur NES, dans Super Mario Bros., vous avez quand même des niveaux qui ont un design qui se ressemble. Vous avez des ennemis qui sont somme toute souvent les mêmes. On a les plantes, on a les Goombas, on a les Koopas. Mais concrètement... On n'a pas non plus une masse d'ennemis. Enfin, en même temps, c'est normal, c'est le premier. Alors, eux, ils sont invincibles. Quand on les écrase, ils reviennent à la vie. Je sais pas s'il va... Je l'ai peut-être fait bouffer par le scrolling, là, non? Bon, si on les écrase, ils reviennent à la vie, mais si on les tue avec la boule, ils meurent. Donc, dans Super Mario Bros. Sur NES, on a quand même une variété de décors et d'ennemis qui est assez limité. Ici, chaque niveau a ses propres ennemis. Alors bien sûr, il y a toujours les Koopas et les... Vous voyez, il est revenu. Alors, il faut que... Là... Voilà, je me suis fait... J'essaie de vous montrer des trucs et je fais n'importe quoi. Je vais arrêter de vous montrer des trucs. Chaque niveau a ses propres ennemis. A son bestiaire. Oh là, on s'est pas passé loin, là. Chaque niveau a son propre bestiaire et donc ses ennemis inédits. Chaque niveau a ses musiques. Dans Mario, il n'y avait pas non plus énormément. Mario Bros, il n'y avait pas énormément de musique. Bon là, il n'y en a pas non plus 50 vu qu'il n'y a que 4 niveaux. Et je vous ai dit, il y a un niveau qui fait du recyclage au niveau des musiques. Hop, là c'est chaud. Voilà. Faut pas que je reste là parce qu'il va revenir. Voilà, là c'était le passage un peu chiant, mais en général, si on s'emmerde pas à attendre, ça passe. Je me concentre un petit peu. Oh là là! Chaque fois, je me fais peur ici, mais ça passe à chaque fois. Hop, on va chercher des vies. Donc, je vous disais, par rapport à Super Mario Bros, pareil, au niveau des boss, dans Super Mario Bros, c'est toujours Bowser. Alors,
Des fois, c'est Bowser qui crache du feu, des fois, c'est Bowser qui va plus vite, des fois, c'est Bowser qui lance des marteaux. Mais concrètement, c'est toujours le même boss. Ici, on a 4 boss, on a 4 boss plus le boss de fin, ça fait 5 boss différents. Pour un jeu plus court, mais on a quand même 5 boss différents. Donc, je voulais souligner quand même cette originalité, à savoir que si on enlève le fait que ce jeu est un Mario, Mario Land, hein, qui est basé sur l'univers de Mario, même si ça n'en a que le nom, je voudrais souligner quand même... Merde ! Voilà. Parce que là, ça va être chaud. Je voudrais souligner quand même cette originalité qui fait que ce jeu serait un bon jeu, même si il ne s'appelait pas Mario. Hop, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment... Et allez, quelle merde. Donc, ce jeu est un bon jeu qui aurait pu, à l'instar de Super Mario Bros. 2, donc Super Mario Bros. USA, être un autre jeu qui aurait été maquillé en Mario. Ici, c'est pas le cas, c'est vraiment un jeu qui a été créé comme tel, mais par d'autres personnes qui ont voulu apporter leur touche personnelle, leur touche de créativité. Putain, c'est pas vrai! Allez, genre, je commence à faire n'importe quoi, ça m'énerve. Faut savoir que c'est la deuxième prise que je vous fais, parce que j'ai eu un bug de capture sur la première. Et la première, j'avais joué, mais comme jamais, quoi. Pourtant, ce jeu, je vous dis, il est facile, hein. À chaque fois que j'y rejoue, je le finis. Mais, putain, mais quelle merde! Voilà. Bon, on va essayer de faire gaffe. Pourtant, à chaque fois que j'y rejoue, je le finis, mais là, je fais de la merde. Parce que j'essaye de vous expliquer des trucs, j'ai préparé des trucs à dire, j'ai plein de choses à vous dire, mais je m'en mêle dans ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude, de toute façon, avec moi, hop, et hop. On va chercher des vies ou une fleur, c'est pas la peine. Donc, ce jeu est bon, et moi, je lui excuse vraiment le fait que ce soit qu'il soit quand même assez éloigné de l'univers Mario, parce que c'est quand même un jeu qui est excellent à jouer. Hop, on retrouve une phase de shoot. Donc là, on est dans le dernier niveau, hein. Vous voyez, c'est un jeu qui est court, hein, je vous l'ai dit. C'est un jeu qui est court et c'est un jeu qui est simple. Si j'arrive, moi, à m'en sortir sans trop de mal, j'ai perdu quelques vies, mais concrètement, c'est surtout parce que je dis n'importe quoi. Mais concrètement, là, c'est un jeu qui pose aucune difficulté, hein. Pour un joueur qui maîtrise les jeux de plateforme, franchement, c'est facile. Vous connaissez mon niveau, je suis loin d'être doué. Et pour autant, j'y arrive, hein. Pour un débutant, pour quelqu'un qui joue aux jeux de plateforme mais qui n'est pas forcément habitué sur les Mario, il est gérable. Il est gérable, franchement, faut pas... on peut pas dire le contraire. Voilà, hop, encore un petit coup de French Cancan, ça fait plaisir. Donc moi, ça me dérange pas que ce jeu fasse des digressions à l'univers de Mario, parce que ça reste un excellent jeu. Moi, je suis un joueur qui ne suis pas spécialement habitué à jouer à Super Mario Bros. Sur NES. Et je pense que dans ce cas-là, pour jouer à un jeu comme celui-là, c'est plutôt un avantage. Faut savoir que c'est le deuxième Mario que j'ai connu. Moi, j'ai commencé par Super Mario USA, et ensuite, j'ai eu celui-ci. J'ai joué occasionnellement à Super Mario Bros. 1, puis ensuite, j'ai eu le 3, mais je ne l'avais pas, Super Mario Bros. 1. Je ne l'ai jamais rodé. Donc, par rapport à ça, c'est plutôt un avantage, parce qu'on... On ne voit pas le... On n'est pas habitué au gameplay de Super Mario Bros. 1 quand on commence avec celui-là. Ce qui est plutôt un avantage, puisque autant Super Mario Bros. 1 a quand même un gameplay, une maniabilité sans faille. Celui-là a quelques petits bugs au niveau des plateformes, je vous en ai parlé. Ça s'est vu, hein, dans le jeu. Ici, petite phase de slalom, assez facile. Et là, on arrive au boss du niveau 4, qui n'est pas le dernier boss. Le dernier boss arrive après. Il n'a même pas de niveau à lui, le dernier boss, hein. Tatanga, il n'était même pas pu se payer un niveau. Voilà, le boss du niveau 4, une formalité. Et on va attaquer le dernier boss. J'ai bien peur d'être obligé de vous spoiler ce jeu. Manifestement, ah bah, je me fais toucher, ça commence bien. J'espère que je ne vais pas galérer et tout. Non, bah voilà, je commence par perdre.
Tout à l'heure, je vous ai fait une prestation comme jamais. Je l'ai dit, une prestation exemplaire. Donc ça sert à rien de les tuer, eux. On peut pas les tuer. On va éviter de faire le con. Toujours le bruit de chèvre, hein. Y a que ta Tanga qui a pas un bruit de chèvre. Alors là, faut juste anticiper ses mouvements et ça passe. J'espère que je vais pas perdre 50 vies parce que tout à l'heure, je vous ai vraiment fait ça. Je vous les ai tous battus du premier coup. Hein. Faut pas regarder ta Tanga en fait, faut regarder les boules et ça passe. Et vous voyez, lui, il a un bruit d'explosion, un bruit normal quoi, quand il se fait toucher. Il a pas un bruit de canard ou de chèvre. Faut juste regarder les... Voilà, c'est fini. Voilà, ça va vite. Je pose la manette et je m'applaudis. Non, je m'applaudis pas parce que c'était facile. Et surtout, à ma première prestation, encore une fois, merci les logiciels de capture d'être aussi buggés. Je vous avais fait une prestation exemplaire. J'avais battu tous les boss du premier coup. C'était formidable, mais là je suis pas très content. Mais enfin, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que j'ai pu vous dire, je pense, tout ce que je voulais vous dire. Oui, donc pour conclure, hein, moi, ce que j'apprécie dans ce jeu, ben, c'est son originalité. C'est aussi le fait que on est entre les sagas Mario sur NES, sur Super NES et sur Game Boy. On est vraiment une différenciation. C'est deux chemins différents. On a eu les Mario Bros sur NES, Super Mario World ensuite, qui a pris un chemin différent, mais dans la continuité de Super Mario Bros 3. Et sur Game Boy, parallèlement à ça, on a Mario Land le premier, sa suite Mario Land 2 qui est totalement différent, et ensuite les Wario Land. Et donc ce que j'apprécie, moi, c'est ça, c'est qu'on ait deux chemins différents, deux alternatives, que le monde de Mario soit pas réduit à un modèle, Mario Bros 3 ou Super Mario Bros 1, qui sont certes d'excellents jeux, mais ce serait dommage qu'on reste cantonné dans ce modèle-là. La preuve, Super Mario Bros. 1 a une suite au Japon qui s'appelait Super Mario Bros. 2, qui est connu chez nous sous Mario The Lost Levels dans la compile Super Mario All-Star. Ce jeu, globalement, a déçu parce que c'était tout simplement Super Mario Bros. 1 avec les mêmes graphismes, le même design, les mêmes ennemis, mais avec des niveaux beaucoup plus durs. Et ça n'a absolument pas plu. Preuve en est que en Europe, on n'a pas eu droit à cette version. On a eu Super Mario USA, donc Doki Doki Panic, qui a été beaucoup mieux perçu, même s'il n'a pas eu le succès de Super Mario Bros. 1. Super Mario Bros. 2 Japon aurait fait un bide chez nous, c'est clair. Et les gens de chez Nintendo USA le savaient. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas sorti. Donc cette diversité, moi, je l'apprécie. J'apprécie qu'elle perdure encore aujourd'hui, puisqu'on a d'un côté les Mario Galaxy, de l'autre, les New Super Mario. Alors, New Super Mario, chacun jugera si c'est de l'exploitation de la vague rétro ou si c'est des jeux, de bons jeux à part entière. Je ne me prononcerai pas sur le sujet, je ne les connais pas assez. Moi, je m'amuse bien avec. Quant à Mario Galaxy, c'est également une excellente saga qui surfe un petit peu sur les Mario 3D, Mario 64, Mario Sunshine. Donc, on a eu deux voies clairement tracées. Et ça, j'apprécie parce que ça fait de la diversité. C'est deux gameplays totalement différents, basés sur un univers qu'on aime tous, l'univers de Mario. Et j'apprécie que l'univers de Mario ne reste pas figé dans un style de jeu. Et c'est ce que je voulais vous montrer, moi, avec ce Super Mario Land, qui est en lui-même un excellent jeu et un excellent Mario. Donc avec des super musiques et globalement un level design correct avec un bestiaire bien fourni, des boss originaux. Donc, allez-y, jouez à ce Super Mario Land si vous ne le connaissez pas. En plus, la difficulté est bien dosée, il est accessible, facile pour ceux qui connaissent les jeux de plateforme, mais sinon accessible aux débutants, il n'y a aucun problème. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Au passage, vous avez la musique du générique de fin qui est également excellente. Moi, j'adore cette musique. Générique très simple, on n'a pas vu grand-chose. Mario et Daisy qui sont partis dans un vaisseau, The End. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah écoutez, en ce qui me concerne, j'ai été ravi de vous tester un grand classique de la Game Boy, de vous tester mon premier Mario aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Doc McCoy. Salut.